Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tutoriel de la célèbre chanson Desafinado, écrite par Tom Jobim et Newton Mendonça en 1958. Bien, nous allons jouer dans la tonalité originale de Fa, mais nous allons descendre néanmoins la clé de transposition de notre piano numérique de 3 demi-tons, ce qui nous évitera de jouer en mi bémol, parce que c'est beaucoup trop pour moi, voilà, et, ouais, ma voix je ne peux plus me permettre, et nous allons le faire ensemble. Donc vous voyez ici, ça se passe de manière entre guillemets mécanique, c'est un ancien piano. Vous avez deux repères verts, un repère au milieu. Et vous, c'est peut-être de manière digitale, vous regardez dans votre manuel si vous ne voyez pas où ça se trouve, hein, vous regardez à la rubrique transposition. Alors donc ici, le repère de Do ici est donc neutre. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 demi-tons à notre disposition, en dessous, et 6 demi-tons jusqu'au repère vert. Au-dessus pour monter ou descendre le clavier. Nous, on va descendre de 3 demi-tons. J'applique là, voilà, la manœuvre et le clavier est descendu donc de 3, 1, 2, 3 demi-tons, c'est-à-dire un ton et demi. Voilà. Ce qui nous évite donc, sinon, j'aurais joué comme ceci. Donc j'enlève la transposition, voilà. Par exemple, hein, qu'est-ce que ça m'aurait fait? Oui, maman, oui, ma maman. Nous, on va jouer ici. Voilà. Bien, je remets la transposition. 1, 2, 3. Voilà. Donc, je suis désolé, mais bon, comment dirais-je, il faut toujours lire dans la description de tout ce que je vous propose par ailleurs sur ma chaîne pour bien vérifier justement quelle est la valeur de la clé de transposition et de l'appliquer si nécessaire, parce que naturellement, c'est l'état zéro. Voilà, symbolisé par les deux lettres K et T, ben c'est qu'il n'y a rien à modifier. Aujourd'hui, par exemple, c'est moins 3, soit un ton et demi en moins, mais parce que je peux pas, j'ai pas un spectre vocal pour pouvoir tout chanter, c'est pas possible. Même fût-ce pour un guide, n'est-ce pas? Donc, vous, après, ben, vous la mettez où vous voulez, hein, je vérifie bien que je refais la manœuvre. Oui, ça doit être ça. Oui, c'est bon. Bien, alors je vous propose également 3 degrés. Une première pour les. Comme je m'adresse vraiment aux débutants, vous allez pouvoir la jouer en balade. Mais en balade, on va regarder toute la chanson en balade avec les harmonies. Ensuite, après, de manière intermédiaire, vous allez pouvoir faire ceci. Je vais juste vous la chanter, la jouer en même temps. On va regarder les harmonies comme ceci, par exemple. C'est vous, c'est 10, vous prenez aucun risque, voyez-vous. Et ok, c'est au désaffinement. Vous resterez très proche de vos harmonies, soit. Et sans bouger finalement. Et puis une dernière partie pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, eh bien on fera de la bossa nova. Hein, voilà. C'est vous, c'est 10, c'est ou des de la bossa nova, donc avec la basse articulée, et je vous montrerai comment je procède, et comme ça vous aurez au moins une solution, comment dire, très simple. Hein. Donc déjà l'introduction. Hein. Alors je rappelle quand même que là, l'objet, de toute façon, de toute ma chaîne, c'est pas de faire la mélodie, hein. On s'accompagne pour chanter. La mélodie, on la fait avec notre voix. Nous faisons les harmoniques avec notre main droite, comment dire, notre main gauche fait la basse, bien sûr, ou la rythmique, hein, selon, et on contrôle l'expression avec notre pédale dite d'expression ou de sustain. Voilà. Bien, alors, donc, on ne fait pas la mélodie, mais néanmoins, voilà. Alors, d'abord, l'introduction. Donc, on va jouer un sol majeur septième. Alors, je vous donne toujours l'astuce sur toutes mes. C'est très important sur la différence entre la septième, qui est une tierce mineure dominante, et la majeure septième. On va regarder ça tout de suite. Sur la gamme de sol, par exemple, où on commence par notre introduction. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. En degré, je parle en degré. Par exemple, comme Do, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeure septième octave. Eh bien, on décale tout sur sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeure septième. Vous voyez, ça fait comme si vous entendiez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais avec Sol. Donc, ici, c'est notre majeur septième et septième un demi-ton en dessous.
Regardez tout de suite l'intérêt de la chose. Vous prenez sol, vous prenez le sol sur l'octave supérieure, n'est-ce pas? Un demi-ton en dessous, vous aurez toujours un demi-ton en dessous, vous aurez toujours la majeure septième. Et un demi-ton en dessous, vous trouverez toujours la septième. Donc tonal, tierce, quinte, septième, sol, septième. Donc la première, la tierce, la troisième, 1, 2, 3 dans la gamme, 4, la cinquième, la quinte juste, sixte, et la septième, qui est une tierce, voyez-vous, mineure, alors que l'autre est une majeure septième. Elle est un demi-ton. Donc ça nous fait sol majeur septième, vous entendez la couleur? Sol septième, c'est fondamentalement différent en toute matière. Et ça, que ce soit pour mes tutoriels, pour mes vidéos ou celles des autres, hein, j'ai rien inventé en musique, naturellement, c'est valable pour tous les autres et ça vous servira aussi pour toutes les chaînes que vous, j'espère que vous regardez aussi. Voilà, parce que tout est intéressant. Voilà, il y a des gens qui font des choses très bien. Alors donc, là, nous avons un sol septième, donc conformément à la gamme, majeur septième octave. Donc tonal, tierce, quinte, septième, sol septième. Donc à partir de la quinte du ré, donc ça nous fait sol, si, ré, fa. Donc bam, 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 bam. Évidemment, vous voyez comme ça, on est très proche. Vous allez jouer un sol mineur, voilà, un sol mineur de la tierce majeure. Vous allez la passer en mineur. Vous allez jouer do à la main gauche. Fa. Donc, à partir de la tierce mineure. Donc, Fa, Mi, bémol, Mi, Sol. Sur le Sol, on va jouer un Fa. Alors, gamme de Fa. 1, 2, 3, 4. Quatrième degré. 5, 6, majeur, septième, octave, neuvième. Vous voyez? Qui est la seconde également, 1, 2, vous voyez la seconde, mais avec les extensions, on l'appelle neuvième. Donc c'est-à-dire que le sol, donc nous avons Fa, La, Do, Mi, Sol. Et là, on joue à la basse, on n'a pas besoin de rejouer la note fondamentale tonale. Bam, 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 bam. Vous voyez, blanc, sol, Fa, Fa, Mi, Fa. Je reprends tout doucement depuis le début. Hein. Allez, avec sol. Padam bam, donc ré mi fa bam, fa mi, sol mineur septième avec do bam, 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 bam. Et là avec fa majeur 9 fa 7 voilà ici le fa de la note tonale et alors là on va résoudre comment? Donc en bossa nova, ça nous fait. En balade, ça va nous faire. Pardon. Si je fais n'importe quoi. Facile, si je me tourne dans le plus facile. Et alors on va résoudre comment? Voilà. Par un do, quinte augmentée, 1, 4, 5, 7. Vous voyez l'intérêt de la 1, 3, 5, 7. Et on va augmenter la quinte. Et on va renverser là le do au-dessus. Donc mi, la bémol, si bémol, do. Voyez? Voilà. Donc je reprends tout doucement. À chanter et à jouer. Allez. Se você disser que eu desafino amor. Alors, donc, bah, Fa majeur septième, hein, tout simplement, première harmonie. Donc, Fa majeur septième, donc tonal, tierce majeure, quinte et majeur septième. On a vu la gamme déjà. Voilà, donc, Se você disser que eu desafino amor. Évidemment, là, à la basse, vous contentez tout simplement de jouer Fa, ensuite Sol. Alors, qu'est-ce donc? C'est un Sol septième,
dont on a diminué la quinte. Vous voyez? Donc tonale, tierce, quinte, septième, mais on va diminuer la quinte, c'est-à-dire le ré en bémol. Donc ça nous fait, nous avons plus que sol, si, ré bémol et fa. Ensuite, vous allez passer au mode mineur. C'est-à-dire vous revenez sur la quinte majeure et vous passez sur le mode de majeur à mineur, c'est-à-dire que la tierce du si devient bémol, le si devient bémol. Ça va que isotrémim. Et là, vous voyez. Ensuite, do septième, tonal, tierce, quinte, sept. Moi, je vais quinte, sept et on va renverser le do. Mais pas besoin de jouer la tierce, vous voyez. Vous pouvez, mais c'est pas, c'est facultatif. Voilà. Témim. Alors, la mineure, quinte diminuée. Quinte de la. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tonale, tierce mineure, quinte, septième. Vous voyez, pour corroborer mes propos, la septième est bien un demi-ton en dessous de la majeure septième, qui elle-même est un demi-ton en dessous du la, qui est la même note, n'est-ce pas? Donc, ici, la quinte, on va la diminuer. C'est la tonale, tierce mineure, quinte. Eh bien, on va la diminuer. Donc, ça nous donne. De toute façon, vous pouvez retenir le nom des notes. Hein. La, do, mi bémol, et puis sol. Donc, depuis le début, tout doucement, en balade. La balade, c'est très simple. Hein. Il y avait juste à vous laisser porter. On ne peut pas faire plus simple. C'est vous se disait que vous les affinement. Alors, si vous voulez faire. Le petit passage pour passer au mode mineur. Donc, alors de quoi il s'agit? C'est moi qui me suis amusé à faire ça. Fa, la, et vous allez alterner avec mi et sol. Bam, 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 bam. Et là, vous arrivez sur la quinte majeure du sol mineur. Vous voyez, pas la, bam, bam, bam. Donc, c'est très simple. Avec vos doigts, vous prenez à l'intercalaire l'index, l'annulaire, et avec le pouce, c'est le majeur. Vous voyez? Comme ça, vous atterrissez sur le Fa avec l'index, et là, Sol mineur. Donc, je reprends tout doucement. C'est vos dizaines et vos désaffinements. C'est facultatif, hein. Ça baïque isotrémim, do septième provoca imen. Ça, quoi faut être ici, la position elle est intéressante, simplifiée, parce que ça va nous permettre de jouer un ré septième, neuvième diminué, oui, bémol neuvième. On va regarder la gamme de ré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, on va vérifier tout ça. Donc 9e bémol, c'est-à-dire un mi bémol. Donc la tonale, bien sûr, on vient de voir la gamme. Tonale, tierce, quinte, septième et le bémol. Vous voyez? Donc qu'est-ce qu'on va faire, nous, dans cette petite affaire? Bon, on garde la quinte, on garde la septième, on garde la 9e bémol, n'est-ce pas? Et ici, on bascule tout simplement la tierce majeure. Donc ça nous fait la, do, mi bémol et sol bémol. Donc depuis le début. C'est vous se disait que vous les affinement. Facultatif, hein? Sol mineur septième. Ça baille que isotrémine provoque immense ador. Je suis déjà à limite en voix. J'aurais bien pris un demi-ton en dessous, vous voyez? Donc c'est tout simplement pas possible, quoi. Ouais, finalement, il faut deux tons en dessous, hein. Alors, oui, on perd sa voix avec le temps, c'est comme ça. Et ensuite, on vient, donc là, vous avez la possibilité, à partir du Ré, on a dit Ré septième renversé, hein, vous avez compris, hein. Septième, neuvième bémol. Ensuite, so privilégia douche, alors, Sol mineur septième, que vous connaissez déjà, hein, Sol, Si bémol, Ré, Fa, douche. Très jolie harmonie, hein. Alors moi je vous la fais simple parce que comme ça sera, on peut l'enrichir en plus, mais très simple.
Gamme de La, c'est un La avec quinte diminuée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur 7e octave. Donc la 7e est là, un demi-ton au-dessus de la majeure 7e, comme vous le savez. Donc on va jouer la 7e, on va jouer la tierce majeure. 1, 2, 3, on va basculer en haut et on va jouer la quinte diminuée. 1, 2, 3, 4, 5, diminuée, mi bémol. Je bascule en haut, bien entendu. Beau, hein? Sol, ré bémol, mi bémol. Donc ça nous fait so privilegiadusten. Et là comme ça ici, pourquoi je choisis cette harmonie? Parce que vous êtes tout de suite du la cette quinte diminuée, vous êtes tout de suite sur le ré septième renversé. Vous voyez? Il est renversé. Tonal tierce dans la gamme de ré, on l'a déjà vu, n'est-ce pas? Donc tonal tierce quinte septième. Gardez la quinte, gardez la septième, la note tonale, le ré, vous la renversez, et la majeure, la tierce majeure, vous la renversez. Ça nous fait la, do, ré, fa dièse. Vous voyez? Alors, et on va résoudre par. Donc, je reprends. So privilegia voilà. C'est-à-dire qu'on va, on va résoudre avec. La 9e bémol, vous vous souvenez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bémol, voilà. Et bien là, on va quitter finalement la note tonale et on va la faire prospérer en l'augmentant. Et en fait, là, on l'a diminué, diminuant de sa 9e. Voilà. Donc, ça fait 1, 2, igual a UCU. Et là, ensuite, on va faire. Donc, vous pouvez jouer sol 7e, mais pour une fois. Alors, qu'est-ce que c'est joli ça? On va jouer la 7, 1, 2, 3, la tierce ici, donc la tierce ici, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 13e. Voilà, c'est ça, ça va être joli ça. Vous voyez, vous entendez? Vous pouvez jouer sol 7e si ça vous plaît, hein, mais moi je vous propose Fa, Si et Mi avec Sol. Mais si vous voulez faire ça, vous pouvez. Hein, car pourquoi? En avançant après. Vous allez pouvoir prolonger finalement, vous voyez, avec la 9e bémol. Voilà, le sol avec tonal tierce, quinte, septième, 8, 9 bémol. Vous voyez, sol bémol 9e, et vous gardez toujours votre basse de sol. Et là, évidemment, sol bémol majeur septième, ou fa dièse. Gamme de fa dièse ou sol bémol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6. Pardon. Voilà. Donc, tonal, tierce, quinte, majeur, septième. Donc, ça nous fait sol bémol, si bémol, ré bémol et fa. Et on résout par. Alors, tout doucement. So privilegiado. Donc là, on a bien la 7 quinte diminuée. Ovidu, ré 7e, ingualao seu, ré 7 bémol 9e. Ensuite, sol 7e, 13e. Et ou posso apenas, donc, et ou posso apenas, avec la 9e bémol. Ok, on sol septième majeur septième, sol septième majeur, hein? Mi deo. Voilà. Donc là, do, quinte, septième quinte augmentée. Voilà. Deuxième couplet. Donc je reprends tout doucement le premier couplet finalement, mais très simplement fichtre, en balade. Donc c'est você dizem que eu desafinado. Saiba que isso tremim provoca imensa dor. Sou privilegiado, tenho ouvido igual ao seu. Eu posso apenas o que o Deus me deu.
Deuxième couplet, même chose, hein. Enfin, ça va être légèrement différent. Donc, Fa majeur septième, c'est vos incestiem classifica. Là, pareil, même harmonie, Sol septième quinte diminuée. Ensuite, Sol mineur septième, meu comportamento, Do septième renversé que vous connaissez, hein. Gigintimu. La mineure 7 quinte diminuée que vous connaissez, hein, tonal, tierce, quinte, septième, musica. Là, il vous suffit ensuite de passer sur le Ré, Ré 7e, bémol 9e, que vous connaissez aussi. Hein. Ensuite, Sol mineur 7e que vous connaissez, et au mesmo menchidu. Là, en revanche, je ne vous connaissais pas. Si bémol mineur 6e. Alors, voyons la gamme déjà de si bémol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 octaves, n'est-ce pas? Donc, tonal, tierce, quinte. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est le sixième degré qui nous intéresse. On va prendre la tonale, ici, n'est-ce pas? Donc, c'est cette harmonie qui nous intéresse. Donc, 1, 2, 3. Ensuite, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 augmenté, 9e augmenté, voilà, et puis pour le Fa, 1, 2, 3, 4, 5, c'est la quinte, voilà, tout simplement, d'accord, donc ça nous fait si bémol mineur, car c'est une tierce mineure, 1, 2, 3, voilà. La bémol 9e, c'était la tierce mineure. N'est-ce pas? Voilà. Donc ça nous fait Sol, Si bémol, Ré bémol et Fa. Alors, et au mesmo menchidu, et vous jouez Si bémol. Donc mineur 6. Avec donc, on a bien vu qu'on avait la sixte ici, et la quinte ici, et la tierce mineure. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, le si bémol en guise de majeur. Donc, e o mesmo menchidu da voa comanta. Alors, ici, vous allez pouvoir jouer. Donc, soit vous jouez ici le Fa majeur 7e, ou avec l'extension 9e. D'accord? Ici ou là. Comme vous voulez. Moi, je crois que j'ai pris l'extension. Donc, c'est-à-dire avec la seconde qui est la 9e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et là, il va y avoir, bien entendu, on va changer de tonalité, il va nous faire changer de tonalité, c'est pas nous, hein. Donc, alors, pour changer de tonalité, il nous fait jouer Sol 7e avec 9e bémol. Donc, gamme de Mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bémol, voilà. Donc, tonal, tierce, quinte, 7e et 9e bémol. Donc, ça nous fait jouer Mi, La bémol, Si, Ré et Fa, là. D'accord, c'est très simple, vous rentrez la main à l'intérieur, vous attrapez le Si, le Ré, le Fa, et là, avec le pouce, il est très aisé d'attraper le La bémol. Donc, je reviens depuis le deuxième couplet tout doucement. Se vos incestiem classifica. Pareil, vous pouvez faire la petite fantaisie, hein. Mais comportamento Sol mineur 7e, Do 7e, compa Gigi musica, La mineur 7 quinte diminuée, résolution avec Ré 7e, 9e bémol, Sol mineur 7e, et au mesmo menchidu, Si bémol mineur 6e, Davo argumenta, Fa majeur, on a dit 9, voilà, très bien, et là, avec le Mi, bien sûr, la main gauche. Alors moi, je vous ai proposé une petite fantaisie. Car on va passer en La majeur 7e. Évidemment, j'aurais pu recompliquer la chose, mais je préfère vous les faire ouverts, open, comme ça, ça sera beaucoup plus simple. Donc, en revanche, je vous propose quand même une petite fantaisie, si vous voulez. Chromatique, c'est-à-dire pour passer du Mi au La. Je vous l'ai montré dans le guide, donc avec une main si c'est trop difficile, ou alors avec les deux, mais c'est, on peut pas faire plus simple, hein. Ou alors avec une main si c'est trop difficile, ou rien encore d'ailleurs, tiens, si c'est trop difficile, donc c'est à dire argumenta, et là, que isto e bossa, donc
La majeure septième. Donc, vous voyez, on parle beaucoup de septième ou de majeure septième. Faut vraiment. C'est pour ça que mon astuce, entre guillemets, est très importante. Fondamentale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeure septième. Vous voyez, un demi-ton en dessous de la note tonale. Donc, tonale, tierce, quinte, majeure septième. Ça nous fait La, Ré bémol, Mi et La bémol. D'accord? Donc, et que isto e bossa nova. Donc, Do septième, tonale, tierce, quinte, mais vous le connaissez déjà ce renversement. Hein. Donc Sol, Si bémol, Mi. Keisto muituna. Ah, celui-là, vous ne connaissez peut-être pas encore. C'est le Si mineur renversé. Gamme de Si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tonal, tierce, quinte, septième. Donc Si, Ré, Fa dièse et La. Bon, et bien là, on va garder la note tonale en place, si je puis dire. On va garder la tierce mineure en place. On va basculer la septième, c'est-à-dire le La, à l'intérieur. Et on va se basculer la quinte majeure à l'intérieur aussi, c'est-à-dire le Fa dièse. Donc Fa dièse, La, Si, Ré. Comme ça sera beaucoup plus pratique, vous voyez. Fa dièse, La, Si, Ré. Donc je reprends tout doucement. Non, on va d'abord faire la résolution. Regardez. Keisto e bossa nova, keisto e muito natural. Comme ça, d'ici, vous êtes pour résoudre en mi. Vous voyez, 1, 2, très facile. 2 ici, d'ici, vous avez simplement à bouger l'index sur le La bémol. Voilà. Et le pouce vient naturellement sur le mi. Et vous retrouvez que mi septième, gamme de mi. Tonal, tierce, quinte, septième, c'est-à-dire Mi, La bémol, Si et Ré. Donc, je reprends depuis qu'on a fait le pont. Keisto e bossa nova, keisto muito natural, bam, bam, bam. Et là, bah, écoutez, je vous propose le pont ou rien, hein. Soit vous rattaquez directement. O qui vos nao sabe, alors là, bah, y'a da 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 da, si vous voulez, hein. O qui vos nao sabe. Alors là, on va jouer un Si bémol diminué septième. Pas de panique, gamme de Si bémol, on l'a vu. Donc tonal, tierce, quinte, septième, en partant de là. Qu'est-ce que c'est qu'un accord diminué septième? On garde la note tonale, on va diminuer la tierce, la quinte et la septième. Donc il nous reste quoi? Ben, il nous reste Si bémol, Ré bémol, Mi et Sol. Donc très simple, hein? Voilà. Donc je reprends. Et qui vous sait, non, ça, benem. Et là, on va revenir sur Sequer, Si mineur, septième. Risenti, résolu avec Mi septième. Et après, encore, on a une troisième phase. Hein, on a un troisième couplet de pont. Donc, je reprends le deuxième déjà. Tout doucement. Eisto e bossa nova. Keisto muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressentir. Voilà. Allez, une troisième salve. Et que os desafinado. Alors moi je m'amuse à faire une descente du La majeur septième pour aller sur le Fa dièse mineur septième. Donc la gamme de Fa dièse, on l'a déjà vu. Donc tonal, tierce, mineur, 1, 2, 3. 3 demi-tons au-dessus, c'est une tierce mineure. Donc Fa dièse, tierce mineure, la quinte majeure et la septième. Donc ça nous fait La bémol, je raconte Sol bémol, La, Ré bémol et Mi. Voilà. Donc, vous faites comme on vous semble, vous faites au chaos des affinados. Vous pouvez faire ça, hein. Au chaos des affinados. Ou alors, au chaos des affinados. También tengo un corazón. Et on résout toujours avec Mi septième, hein, et avant avec Si mineur septième. Ça, vous la connaissez, cette formule, hein. On vient de la voir sans arrêt. Donc, je vous remonte l'intégralité des trois, hein, parce qu'après, on va descendre sur en Do majeur.
Donc, depuis le début, pareil à papa. Keisto e bossa nova, Keisto e muito natural. É que você não sabe nem se quer pressentir. É que o desafinado tem um coração. E lá lá lá, donc mi bémol, ré bémol, do. Et là, on va jouer do majeur septième renversé ici. Voilà, vous voyez? Donc, tonal, tierce, quinte, majeur septième. On garde la quinte et la majeure septième en place. On renverse le do, qui est la note tonale. On renverse le mi, qui est la tierce majeure. Donc, sol, si, do et puis mi, voilà. Donc, vous pouvez faire qu'un doigt ou rien. Hein. Par exemple, là, je reprends là. Et que o desafinado tem meu coração. Je voulais y aller direct. Hein. Moi, je m'amuse. C'est plus amusant. Hein. Enfin, ça vous laisse des options. Vous voyez, si on est là pour se faire plaisir, rien d'autre. Hein. Donc, do majeur septième, photographie au bossé. Alors, qu'est-ce donc? Ben, c'est do dièse. On est monté d'un demi-ton, tout simplement. Donc là, regardez, do majeur septième dans sa position fondamentale. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un do dièse diminué septième. Donc, un do dièse dans la gamme de do dièse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tonal, tierce, quinte, majeur. Donc, voilà. Quinte majeure et septième. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va tout diminuer. On garde la note tonale, la tierce, la quinte et la septième. Donc on va se retrouver avec ces quatre notes. Ici, le do dièse, je vais le renverser. Le mi, je vais le renverser. Ce n'est qu'un. Vous voyez, regardez. Ce ne sont que des renversements. Jusqu'à. Ce ne sont que des renversements, il n'y a rien d'extravagant, hein, voilà. Donc c'est simplement le deuxième, le troisième renversement. Voilà, ce sont exactement les mêmes notes. Donc sol, si bémol, ré bémol, mi. Donc ce qui est très pratique, parce qu'on part d'ici, voyez-vous, on arrive là. Photographie, vos scènes, minia, orole, ré mineur septième. Il y a le ré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tonal, tierce mineure, quinte majeure, septième. On garde la quinte, on garde la septième. On va transférer la note tonale, le ré et le fa en haut. Voilà. Donc, voilà. J'en suis où? Voilà. La minia, ro, les flex, ré mineur septième. Donc, ça nous fait la, do, ré, fa. Oh, les flex. Comme ça, vous êtes tout de suite sur sol mineur, sol septième à côté. Donc, sol, si, ré et fa. Donc tonal, tierce, quinte et la septième, majeur et septième. Donc je reprends. Payalalaba, photographie au bossé, la mignaro, les flèches. Et la rébellou, du mode majeur au mode mineur, voyez-vous. Rébellou, avec le si bémol, et vous ne changez rien d'autre, hein, la quinte et la tierce. Rébellou, c'est un soin énorme. Le ré que vous connaissez si bien, septième, neuvième bémol, avec la, do, avec mi bémol et son orchestre, et sol bémol. Enorme ingratitude, sol mineur septième, résolution do septième. Donc je reprends à partir de photographie à bosser, la minia, ré mineur septième, ro les flex, sol septième. Rébellou, sol mineur septième, assois et non, ré septième bémol neuvième, non ingratitude, sol septième mineur. Et là évidemment, on résout avec do 7 quinte augmentée, hein, qu'on connaît. Et là, bien sûr, dernier couplet avant la péroraison. Donc, sonant coder la palin de sol, donc fa majeur septième, sol septième quinte diminuée,
sol mineur, c'est les mêmes accords. Et au maio que você, do septième. Et la podé, la mineur, septième diminué. En contra. Vous voyez, ça monte là. Donc ré avec ré septième, neuvième bémol. Donc la, do, mi bémol, sol bémol. Donc là ensuite, bam, bam, sol mineur septième, tonal tierce quinte septième, posé comme un soi musica, le si bémol mineur sixte que l'on connaît, sixième. Donc sol, si bémol, ré bémol, fa. Est-ce que c'est la mineur septième renversé. Donc tonal tierce mineur quinte septième, pour renverser le sol ici, sol, la, do, mi. Au principal, donc la mineur 7, au principal, ré, toujours la même bémol 9e, hein. Ce n'est que le renversement, la continuité, hein, l'extension, bémol 9e, ré 7, bémol 9e, et alors là, que no peto, alors sol 7e, do. Que no peito do desafinado, no fundo. Alors, que no peito desafinado, no fundo. Alors, ici on va jouer si bémol mineur septième. Donc, au lieu d'avoir la tierce majeure, on va descendre la tierce mineure. C'est-à-dire, le ré va devenir bémol. Si bémol, ré bémol, fa. Et la bémol, voilà, avec le fa. Donc je reprends. Que no peito do desafinado, no fundo do peito baixi, calado. Donc j'hésite parce que j'aurais préféré faire cette harmonie-là, mais l'extension est belle, mais peut-être un peu, voilà, un peu trop difficile. Voilà. Donc je préfère proposer ça, voilà, beaucoup plus simple, c'est-à-dire mi bémol septième, quinte de mi bémol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tonal tierce, quinte septième. Bon, on bascule la tonale, le mi bémol, et on bascule la tierce majeure, ça fait la rue Michel, si bémol, ré bémol, mi bémol et sol. Avec mi bémol à la main gauche, bien sûr. Donc je reprends. Que no peito do desafinado. No fondo do peito baixi calado. Voyez-vous? No peito dos, donc ré mi fa. Donc sol septième. Dos desafinado. Do septième. Também bate. Donc le fa majeur neuvième, toujours. Hein? Donc avec fa. La, do, mi, sol, batem un coração. Donc fa, tout simplement renversé. Donc je reprends tout simplement. Que no peito do desafinado, no fundo do peito baixi calado. No peito do desafinado, também bate un coração. La résolution do septième quinte augmenté fa majeur septième, d'accord, voilà tout simplement, hein, on fait très simple. Donc comment dirais-je maintenant, l'intermédiaire, donc que je vous proposais depuis le début, vous prenez aucun risque, comme ça vous fait une deuxième visite, on va la faire ensemble, puis après on fait la bossa nova, parce que vous voyez là, ça va être une vidéo, je le pressens, je le prédis, très longue. Mais bon, écoutez, c'est ce qu'il faut. Et encore, je réduis. Je ne peux pas tout expliquer. Allez, on y va. Donc, par exemple, vous voyez, regardez, vous allez donner du rythme sans jamais rater. Vous gardez toujours la note fondamentale à la basse. Vous ne prenez aucun risque, hein. Et là, se você disser que o desafinamos, parabéns.
peut-être là, évidemment, mais encore, sa bike et isotrémie provoqua immense adore. Son privilégié ou stem, ça fait une révision comme ça des harmonies. Ovidu, ingwan le oseo. Et au ponçon aponas, ok, ou deus, mais ou deus. Cinchistième classificat, deuxième couplet. Pas là, mais comportamento Gigi musica. Et au même moment, chez nous, si bémol mineur sixième, n'a beau argumentar. Que isto est bossa nova, que isto muito natural. Que você não sabe, nem sei que se pressentir. Je le fais qu'à une main, oui, pour que votre main gauche ne bouge pas, voilà. Eco e osso desafinado, tem bem, tem mon coração. Fotografei você na minha reflex, revelou. C'est à soi énorme ingratitude. Son au poder à falar assim do meu amor. Eu maior que você poder encontrar. Você com a sua música esqueceu. Que no peito no desafinado, no fundo do peito baixo calado, no peito dos desafinado também bateu um coração, oui, pardon, bam bam bam. Bien. Il est temps de passer à la bossa nova. Voilà, maintenant, alors la bossa nova, comment je procède? Vous allez tout simplement utiliser la quinte, et à chaque fois, si elle est diminuée, on la diminue. Si elle n'est pas diminuée, on la joue pleine. C'est-à-dire, d'abord Fa. Là, je m'adresse sans doute à des gens, à des personnes un petit peu plus avancées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, où est la quinte de Fa? Ici et là. Donc là, on commence par... bon, commençons par l'introduction sur sol déjà. Donc sol, où est la quinte? 1, 2, 3, 4, 5, c'est ré. Donc sol, je garde la fondamentale, je bascule le ré. Donc ensuite sur do, parce qu'en fait, c'est un do septième, hein, là, voilà. Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, pam, 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 pam. 7 avec l'extension 11, voilà, eh bien, oui, bien sûr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 avec le Fa, n'est-ce pas? Donc 9 et 11. Pam, 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 pam. Ensuite, Fa avec Do, bien sûr, 1, 2, 3, 4, 5, c'est la quinte. Et là, on résout avec tout simplement quinte augmentée septième, hein. Et alors là on commence les bossa disser, donc on s'articule bossa nova comme ça, hein. Donc fa avec mi do, c'est bossa disser qui est désaffinado. Alors vous voyez où est la quinte diminuée, donc le sol 1 2 3 4 5, vous voyez bien qu'elle est diminuée, la quinte, la ré bémol, et bien on la répercute tout simplement sol avec là ici, ré bémol, voilà, you. Ensuite, et en revanche, quand on passe au mode mineur, elle est plus diminuée la quinte, puisqu'elle redevient majeure. Donc on joue sol et ré. Sa e ba ke iso tremim, do avec sol, main gauche, hein. Provoca immense. Alors là, c'est la même chose. C'est-à-dire, la quinte, vous voyez, elle est diminuée, c'est-à-dire que c'est le mi bémol. Donc,
On joue la note fondamentale, bien sûr, toujours, hein, la basse. Hein, et on va renverser la quinte diminuée, c'est-à-dire avec un mi bémol. Alors, où est-ce que j'en suis? Immensa do, ce qui nous permet, ça do. Voilà, oui, immensa do. Avec le ré, bah, où est la quinte? 1, 2, 3, 4, 5, bah, c'est là, donc ré est là. Pour le sol, bah, la quinte tout simplement, 1, 2, 3, 4, 5, là elle n'est pas diminuée, donc sol et ré. Et poso apenas, peu importe, même si on donne l'intention, hein, que ce soit mineur ou majeur, c'est seulement si la quinte est diminuée qu'on la diminue. Sinon, on la garde naturelle. Hein, donc, juste. Donc, où en étais-je? Pardon, vous voulez. Et sous que au Deus. Là, on voit bien que 1, 2, 3, 4, 5, c'est Do dièse, donc Fa dièse et Do dièse. Mais au Deus, bien sûr, hein, on double, là. Deuxième couplet. C'est vos ingestiem classifica. J'enlève les doigts, voilà, que vous voyez bien. Hein. Bon, je reprends pas parce que vous avez compris, on a la quinte diminuée, hein, donc en revanche, sur la prochaine harmonie du sol mineur, la quinte redevient juste, donc on va descendre bien sûr sur le ré, donc je reprends. C'est vos ingestiem classifica. Même si vous faites pas la 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 la. Ça vous empêche absolument pas, voyez-vous, de redescendre la quinte juste. Hein. Mais comportamento gigi musica. Sol mineur, pareil avec ré. Hein. Et au mesmo menci do, si bémol, où est la quinte? 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est le fa, bien sûr. Donc, tabo argumenta. Sur le la, eh bien c'est le do, 1, 2, 3, 4, 5, donc pam, keisto et bossa nova, do septième avec sol, keisto muito natura, si mineur 7, donc le si, si mineur, mais 1, 2, 3, 4, 5, c'est fa dièse, donc si et fa dièse, natura, mi avec si bien sûr, hein, 1, 2, 3, 4, 5, donc la Et qui vous sabe. Là, c'est pareil. Sur le si bémol diminué septième, bah, si bémol, on se fiche de savoir que si ça n'a pas d'importance, que ce soit diminué 1, 2, 3, 4, 5, on va garder. Comment dire ça? On va garder. Fa. Non, on se fiche pas. Qu'est-ce que je raconte, moi, aujourd'hui? On s'en fiche pas. On s'en fiche pas du tout. Puisque la quinte est diminuée, on va la diminuer aussi. Oh là là, je vous prie de m'excuser, c'est lamentable. On va jouer donc mi. Et oui, je me suis distrait bêtement. Donc je reprends. O qui você não sabe. Voilà. Même c'est que avec si. Et donc si, bien sûr, c'est donc fa dièse. Presenti, donc pam, presenti, donc pam, 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 et là, pam, pam, ya, pam, pam. Encore le dernier avec l'angle majeur, et qui est au désinfinado. Alors, pour avoir fa mineur septième, eh bien c'est simple, notre quinte elle est là, on l'a déjà ici. Donc c'est-à-dire Do dièse, Fa dièse et Do dièse. Tembe, si mineur septième. Temun corazón, mi septième. Et là, bam, 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 bam. Do, ben, c'est la quinte, c'est sol. Photographie, bossé. Pareil sur le diminué, on ne fait pas la bêtise, on garde le sol. Donc, pourquoi? Ben, parce que notre sol, vous voyez, la quinte, elle est diminuée. 1, 3, 5, 7. Diminué. Donc on garde le sol à la main gauche et puis le do dièse bien sûr.
Donc, je reprends. Photographie avancée, la mignonne. En revanche, pour le ré, il n'y a pas de problème. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, c'est toujours le la, hein, ré la. Rho les flex, sol septième avec ré. Ré, velou, et à soi et non. Ré avec la. Ingratitude, sol mineur septième, do septième. Dernier couplet. Fa majeur septième, do. Sona au pot de la fa, la racine, do, mi, moi, mon. La quinte diminuée, hein, bien sûr, avec do dièse. On revient sur la quinte juste. Sol mineur et on maillot que bossé, do septième. Du côté, la mineur, cette quinte diminuée ici. Un contraint. Avec la, à la main gauche. Sol mineur avec ré. Bossé comme un soi musical. Non, là, oui, bien sûr. La. Donc, si bémol avec fa. Pour la mineur, ben la, 1, 2, 3, 4. Que ce soit majeur ou mineur, on va utiliser le mi. Est-ce que c'est au principal que nos pédos nous désirent affinato, nos fondos là, on va utiliser sur le si bémol le fa, topé chupachi calado, sur mi bémol, 1, 2, 3, 4, 5, c'est si bémol, donc mi bémol et si bémol. Nos pédos nous désirent sol septième avec ré. Et la fina do septième avec sol, et même batté un corazon. Donc fa avec do, pam pam paramba. Et là. Voilà, donc pam, fa majeur septième. Bien, voilà, c'est une, je sais, c'est un peu long, mais j'essaie de tout faire le plus simple, un tout petit peu plus. Je ne peux pas tout faire et puis faire des vidéos beaucoup trop longues. C'est extrêmement lourd après. Donc, merci beaucoup de votre attention. J'espère que ça vous fait plaisir autant que moi. Vous l'aurez aussi en anglais. J'espère en français aussi. Je sais qu'il y a eu une version, je me souviens, dans ma jeunesse. Donc, écoutez, je vais essayer de faire tout ça. Regardez le tutoriel dans lequel j'explique le mieux. J'en fais un pour nos amis anglo-saxons aussi. Donc, comme ça, ça vous fait tout un tas de possibilités à regarder. Je fais de mon mieux pour essayer de vous simplifier les choses et surtout pour que vous puissiez la jouer en balade. Vraiment, vous voyez très tranquillement. C'est vous, c'est disait que vous les affinement. Tranquille, hein, voilà. C'est un bail que ils ont aimé, provoquant immense adore. Voilà, vraiment, tout en, vous pouvez la jouer ou alors en bossa nova, enfin. Très lente, hein. Regardez le guide à peu près, c'est difficile, moi je peux en faire plein de versions, donc évidemment, après c'est affaire de goût comme toujours. Hein. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre attention, n'hésitez pas à explorer ma chaîne, vous y trouverez une pléthore, une foultitude de vidéos de Michel Legrand, vous y découvrirez ma passion pour ce grand homme, grand musicien, et pour Tom Jobim bien sûr, et bien d'autres. Merci en tout cas, et je vous dis à bientôt, et puis prenez que du plaisir, parce que une super chanson et ce n'est que du plaisir. Merci, à tout bientôt. Au revoir.